Et bonsoir à tous, cherchez la caméra, elle est là. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau GK Live. Oui. Yo, bonsoir. Bonsoir Yuki. Nous sommes en direct pour parler d'un énième, et rarement le mot énième aurait eu autant de poids pour la série Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Il s'appelle Z ou Dragon Ball celui-là? Non, celui-là il s'appelle Dragon Ball Xenoverse. Xenoverse. XV si tu veux. D'accord. Voilà, il n'y a pas le Z parce que de toute façon il couvre énormément de parties de la série, il y a même Dragon Ball GT. Je te propose de le lancer tout de suite, comme ça on va parler sur l'intro. Voilà, il y a un petit dessin animé sous-traité en Corée, je sais pas d'où. C'est la crise, voilà. Il n'y a pas de petites économies. Alors, Dragon Ball Xenoverse, bon, on pourrait très bien se foutre un peu de la gueule du jeu et dire encore un Dragon Ball. C'est vrai qu'on en a souvent un, voire deux par an. Là, ouais. Je crois qu'il y en a déjà un qui a été annoncé sur 3DS récemment. Sur 3DS, Extreme Butoden. L'an dernier, on avait eu Battle of Z, ouais, qui était vraiment moyen. Mou du cul. Moyen moins, très mou, effectivement. Ouais. Et là, on sent que Dims, pour l'arrivée de la série sur PlayStation 4, alors même si ça reste un jeu cross-gen, hein, ils sont un petit peu, ils ont un peu invoqué Shenron pour donner un peu plus dynamique. Alors, c'est un jeu, je sais pas s'il va plaire à tous les fans, parce que c'est vrai qu'il prend quelques libertés par rapport au mini Dragon Ball, mais c'est vrai que pour le coup, il prend un peu de risque. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas vu la série comme ça sortir sa zone de confort depuis un petit moment. Il est assez ambitieux parce qu'en fait, il y a la volonté de proposer une expérience en ligne derrière. Un petit peu comme Dragon Ball Online qui était resté cantonné en Asie. Ouais. Sans dire un jeu de mots. Et du coup, voilà, il y a une partie en ligne très développée. Enfin, très développée. En tout cas, des éléments en ligne un petit peu façon PSO, façon jeu en ligne lambda, quoi, mais qui viennent s'intégrer dans le jeu. D'accord. Donc tu montreras ça. On peut jouer seul d'ailleurs ou c'est vraiment. Genre quand tu dis en ligne, c'est quoi? C'est un MMO ou c'est juste un tu peux en profiter seul? Ah, c'est pas un MMO, mais en tout cas, quand tu es dans le hub, on va aller voir après la fin de ce dessin animé, et bien tu croises d'autres joueurs si tu es évidemment connecté. J'espère que ce sera le cas ce soir parce qu'hier, le Xenoverse, comme on l'appelle, était inaccessible. D'accord. Alors ces deux personnages là que tu vois, c'est Towa et Mira. Oui. Et voilà, ce sont eux qui manipulent le temps. Et donc Trunks et son assistant Kakashin Tan, donc on l'a vu, la pile de pouce, et bien il se charge de relire les parchemins pour que ton avatar aille rétablir la chronologie telle qu'elle existe, c'est-à-dire. Parce que justement c'est le grand truc du jeu, c'est on va revivre les scènes du dessin animé, ça c'est ce que font tous les Dragon Ball. Par contre, ils vont prendre quelques libertés, se faire des anachronismes ou des choses comme ça, ils vont complètement, c'est-à-dire par exemple, tendre un peu le. Pendant les save games, tu vas voir donc les deux méchants qui vont modifier. La puissance de Mister Satan par exemple qui va devenir super balèze. D'accord. Et donc tu vas fighter contre Mister Satan démoniaque et essayer de terminer la gueule. D'accord, ouais, c'est cool, bah écoute, montre-nous ça. Après je vais laisser animer. Alors là je me souviens que j'ai appuyé sur Start et que le menu a disparu, donc c'est assez extraordinaire. Ah voilà, c'est parti. C'était le temps de charge. J'en profite d'ailleurs pour saluer le chat. Bonsoir le chat. Le chat qui est évidemment là ce soir pour voir un petit peu ce que vaut le jeu. Le jeu a été testé, hein, je crois, sur Gamekult. Ouais. C'était disponible depuis quelques minutes, c'est un 6 sur 10, un jeu honnête. Et d'ailleurs, il va falloir expliquer un peu ça, parce que c'est vrai que... Moi je trouve, hein, c'est mon avis d'un mec qui est passé derrière toi plusieurs fois dans la rédaction. Visuellement, les phases d'hommes ont fait très peur. Ouais. Mais c'est vrai que les phases de combat, ça se rattrape un peu, c'est ça l'idée? Pas forcément. Ah oui, d'accord. Non, en fait, c'est plutôt la. Tout donc, ça, c'est ton perso, ça. Ouais. Donc, genre, rien qu'à ce moment-là, je me serais déjà barré. Voilà. Ouais. C'est déjà le point de non-retour en ce qui me concerne. Je peux pas vous montrer forcément l'éditeur du personnage, parce que ça. Il faudrait que je reprenne une autre save, machin et tout. Donc, ce serait relativement compliqué. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais en gros, tu as 5 races. Alors, je me demandais juste avec Serge. Disponible. Ou Caro, s'il pouvait juste baisser le son du jeu, s'il vous plaît. Parce que là, on nous entend assez mal. Donc, le chat se plaint. De toute cette bonne musique. Donc, voilà, j'espère en tout cas que le jeu va réussir à se connecter. Bon, sinon, si tu n'arrives pas à te connecter dans le hub, t'as quand même des NPC qui se baladent pour simuler des gens. D'ailleurs, si t'as accès aux options, n'hésite pas à baisser aussi les musiques du jeu. Ouais, ok, très directement bien. Au niveau logiciel. Du coup, voilà, on est pendant qu'on a une collection Xenoverse. Ouais, ça, c'est, ouais. C'est courant ça ou. Dernièrement, ouais. D'accord. Ouais. Ça me met sur le compte du jeu qui vient de se lancer, du coup tout le monde. Il vient de se lancer aux US, puisque la sortie US et Europe est relativement proche. Tu sais, les jeux aux États-Unis sortent le mardi, nous ce sera vendredi. D'accord. Voilà, formidable. Non. Bon, bah écoute, on va se connecter offline. De toute façon, je pense qu'il va le proposer. Oui, donc je te le disais, il y a 5 races disponibles au moment de la création de ton avatar. C'est-à-dire qu'au début, tu vas commencer avec Son Goku pour 3 matchs, qui vont t'apprendre grosso modo les bases.
Donc contre Freezer, Cell et Boo, donc t'as même accès directement à SSJ3, Goku SSJ3. D'accord. Et ensuite, bah, ça s'arrête à l'arc de Boo, ça va plus non, loin. Non, ça poursuit. Donc le Dragon Ball GT également. GT, ouais. D'accord. Et donc tu vas avoir accès à donc 5 races, les humains qui servent à rien. Enfin, qui servent à rien. Mmh. Évidemment, chacun a ses forces et ses faiblesses, les humains sont polyvalents. Les Namek, donc tu n'as pas le choix. Namek, tu sais, les Namek sont asexués. Oui. Donc tu n'as le droit qu'à un profil de ils Namek. Ont des petites antennes comme ça voilà, pour se reproduire. Pour se reproduire. putain, la vache. c'est violent. C'est chaud ça, oui. Ouais. et bien voilà, c'est le jeu vidéo en 2015. C'est le GK Live tout connecté. On est désolé, mais bon, ça arrive. Et puis c'est un jeu qui est. C'est un jeu qui vient de sortir ou qui en peut. Oui, c'est, je crois que c'est mieux déjà le son. On va essayer de le baisser dès qu'on aura accès. Dès qu'on aura accès au jeu, on verra. Bon, en tout cas, ouais, donc c'est un. Donc les Saiyans sont. Tu sais, ils puisent dans leurs ressources quand ils sont sur le point de crever. D'accord. Donc c'est-à-dire que si tu tombes KO, s'ils sont à 20% de vie, ils vont s'énerver. Ok. Donc une certaine fidélité, enfin, ils ont essayé un petit peu de. Oh, c'est abusé, attends, on va pas pouvoir jouer, ben, c'est dingue. Voilà, le jeu vidéo en 2015, voilà. C'est ça. Non, ça c'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux pas jouer offline si. Alors, c'est... Bah, écoute, on va essayer de faire. on va faire un peu de fiction, d'anticipation. Et donc, c'est tu magique, putain. Tu vas me raconter le système de combat avant qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le système de combat? Alors, le système de combat, c'est dérivé, grosso modo, un petit peu des. C'est un mix entre les Tenkaichi et les Budokai. D'accord. sans voilà. Ouais. Ça rappelle un peu Battle of Z. Dans le côté ciblage, combat multiple avec plusieurs cibles. Ok. Mais c'est quand même beaucoup moins mou du cul. Tu peux quitter et reprendre. Ah, tu crois bah là, ça ouais, c'est trop long. Là, je pense qu'on va peut-être. What she said. Il n'est pas disponible actuellement. Il était en panne. Ouais, mais est-ce que je peux jouer offline? Non. ah, voilà. Peut-être, vas-y. Tu vois? Voilà, où est le problème? Ah. Y a-t-il les OST originaux de la série dans le jeu? Tu les as entendus, Puyo, les OST? Non, bah, à part Shala et Chala, le reste. Je vois Trunks, c'est celle devant toi là. Voilà. Donc nous voici dans le hub Toki Toki City. Celle, c'est mon maître actuel parce que tu peux prendre des leçons et obtenir diverses capacités. Petite surcouche RPG alors du coup. Voilà, complètement. Bah, on est vraiment. Ouais. Donc voici le hub divisé en trois quartiers. Alors au début, t'es assez surpris parce que t'as pas de menu classique. Par exemple, pour aller au Versus, faut te déplacer toi-même. Jusqu'à cette grosse capsule. Et Le hub est plus grand que celui de Destiny d'ailleurs. c'est comme ouais, mais tu peux pas jouer au foot ici. Ouais, c'est vrai, il est touchable. Donc voilà, là tu as des persos, des faux NPC avec qui tu ne peux pas interagir pour la plupart. Voilà, tu vois, tu peux interagir avec ceux qui sont en bleu. Donc voilà, c'est une interface comme ça, façon. Façon RPG en ligne. Façon RPG avec gros temps de chargement au bout de 15 mètres. Avec temps de chargement, là tu as le carte. C'est intéressant à découvrir quand même. C'est une partie du jeu vraiment sur laquelle t'as pris du plaisir ou juste pressé de repartir en combat. C'est cette composante motivation qui finalement m'a fait pencher la balance entre le jeu moyen et le jeu honnête pour les fans. Ouais. C'est-à-dire que voilà, comme la progression est très lente parce que la difficulté est gérée de telle façon que tu es obligé. De passer par là pour t'équiper, pour choisir des items, pour apprendre de nouvelles techniques, pour t'associer à des maîtres. Et bien, il fallait un peu grinder aussi sur. Oui, non, l'aspect grinding est un petit peu abusé d'ailleurs, mais étant donné que tu peux la contourner en t'associant avec d'autres personnages, puisque tu as des quêtes multijoueurs en ligne, enfin toutes les quêtes parallèles, donc pas les quêtes histoire, mais les quêtes parallèles sont jouables en ligne avec d'autres joueurs humains, et bien tu peux choisir de t'associer et donc de bénéficier de leur puissance pour toi. D'accord. Donc là, tu as des Zenis, donc c'est la monnaie du jeu. Les Zenis, effectivement. Et par exemple, si j'étais Super Saiyajin, donc tu vois, les deux slots orange, et bien je pourrais c'est m'acheter. C'est garçon et fille, j'imagine, du coup. Ouais, d'accord. Exactement, je pourrais m'acheter cette transformation Super Saiyan. Et moi, toi, comme je suis un bout, tu vois, j'ai droit à des techniques les deux, d'esquive. Les deux à droite, là, c'est ça. Voilà, exactement. Que tu peux acheter par exemple. Je pourrais acheter le Kaioken par exemple, parce que le Kaioken est accessible à tout le monde. Bah tiens, je vais l'acheter. D'accord, voilà. C'est pas très logique ça. Ouais. Et donc après, je peux aller dans personnaliser. Donc l'interface est ce qu'elle est. Hein. C'est pas non plus, tu vois, par exemple, si je vais dans modifier équipement, j'ai d'autres tuniques que la tunique de Shishi, mais comme elle m'apporte des flèches en endurance à l'attaque de base super frappe, c'est pour celle-là que j'ai opté. D'accord. Tu vois, t'as la tenue de Shishi de base, elle est beaucoup moins puissante par exemple. D'accord. T'as aussi ce qu'on appelle les âmes Z, donc c'est des bonus qui vont se déclencher en cours de fight, suivant certaines conditions. Par exemple, l'âme Z de Yamcha, tu vois, elle est
plutôt pas trop mal au début, mais elle a une faible chance d'activation. Du coup, j'ai opté pour la technique de Sangohan, qui plus le temps passe et plus tu vas être puissant. D'accord. Alors, il faut trancher ce débat, c'est Sangoku ou Son Goku ? J'en sais rien. Je crois que c'est... Et où mettons l'accent circonflexe ? Je pense que c'est Son, puisque je crois que c'est en japonais, c'est S-O-N. D'accord. Mais effectivement. Donc après, voilà, tu peux personnaliser, comme dans la plupart des jeux DBZ, les techniques ultimes que tu vas déclencher avec les manipulations. Mais je te propose de voir tout ça directement en jeu. On va retourner au... L'apparence de ton perso, une fois que tu l'as déchoué, à part les fringues, tu peux pas revenir en arrière et genre changer de race ou quoi que ce soit. C'est... Écoute, non. Par contre, je sais qu'à partir d'un certain stade, tu peux créer un autre avatar. D'accord. Mais il faut atteindre un certain stade dans le jeu que tu n'es pas atteint sur ma partie. T'as plusieurs emplacements de libre, donc si tu crées un personnage, faut pas te dire que c'est foutu, tu pourras revenir avec un personnage suivant. D'accord. Okay. Je regarde si le chat a des questions. Effectivement, c'est un jeu. Moi, je l'attendais personnellement pas trop, mais toi, tu l'avais déjà vu au TGS. Ouais, au TGS, on avait. C'était pas le drama non plus, quoi. Pas vraiment pensé. En fait, j'avais suivi de très loin son développement et j'avais pas. Enfin, j'ai découvert vraiment sur le tard. Enfin, t'avais jamais joué test, à ce côté... Ball Online Non. Ce côté online et tout connecté. Donc, tu vois, les missions sont classées par. Difficulté. Par difficulté. Donc, les missions, tu vois, il y a 7 étoiles. Ouais. Okay. Ils sont 5 étoiles. Donc, là, par exemple, tu as bot. C17 et C18, t'as deux conditions et donc tu peux pas perdre ni timeout. Ouais, on va faire une mission relativement simple, on va faire voilà, commando Ginyu en force. D'accord, donc en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes. D'accord. Donc pour ces missions là, contrairement aux missions histoire, tu as le choix, enfin tu peux choisir d'autres personnages que ton propre avatar. D'accord, ok. C'est-à-dire que si t'as des difficultés à les passer, non seulement tu peux t'associer à d'autres joueurs en ligne, mais tu peux aussi aller chercher des personnes un peu plus évoluées. Tu vois, le losange de sel par rapport au mien, c'est quand même autre chose. Tu as aussi, évidemment, quand tu appuies sur R1, différents... Du coup, c'est quoi l'intérêt, par exemple, de se faire chier à grinder avec un personnage et le customiser si derrière il te propose des personnages qui sont déjà bien craqués Bah après c'est pour la partie en ligne, quand tu vas faire des combats versus en ligne ou autre, tu vas combattre avec ton avatar, enfin en tout cas... Y'a quoi de personnages dehors en dessous Alors y'en a une cinquantaine, après évidemment t'as toujours les variantes les variantes de puissance. Et t'as le sentiment sachant c'est que Freezer n'a que deux transformations sur les 4 ou 5, 4 je crois qu'il a... Bah ouais, parce que du coup il a le standard et la finale en deux formes, la version plus gros tout baraque et la version plus gros tout cuss. C'est curieux, Raditz en a une, enfin il est là. Il y a la plupart des... Mais après tu as mis les personnages complètement OZEF là en bas, là, les deux là, le tout violet là qui est ouais ça les oui Apple, ça voilà le enfin, ça sert à rien bien, tout vivant, c'est les gardes les gardes trois versions, ça fait un peu rempli les gardes lambda, donc voilà on va s'associer avec Perfect Cell. Et là la vraie question c'est est-ce que ça reste un jeu de baston au sens où chaque perso a vraiment ses techniques, ou t'as un main où finalement c'est plus ou moins la même chose. C'est quand même plus ou moins la même chose. Alors après j'imagine que les intégristes du jeu vont dire qu'il y a énormément de variantes, subtilité. La liste des combos, je vais te la montrer, hein, c'est à base de carré triangle. Après, ce que tu peux faire, c'est qu'en personnalisant tes techniques, tu peux quand même aboutir à des résultats... Déjà, visuellement, le jeu a fait un bond en avant entre la phase de free roaming MMORPG tout cuss, et là, les combats, il y a quand même plus de pêche. C'est avec la caméra aussi un peu plus près, mais les persos ont vachement plus de détails, quoi. Donc des fois, sur les maps, effectivement, t'as des bonhommes qui... Des personnages qui sont là pour te filer des boosts divers et variés, puisque les missions peuvent durer assez longtemps. Il y a un petit côté... C'est pas gênant, la caméra si près que ça. Quand tu vois la caméra très près. Si, non mais on va le voir, la caméra c'est un des vrais problèmes du jeu. Donc tu vois un petit peu la Monster Hunter, tu changes de zone comme ça, donc tu as le petit loading. Et c'est là. Et là donc là t'arrives et tu vas buter comment on gagne. Donc R1 sert à bloquer avec le stick. Tu passes d'une cible à l'autre, mais des fois c'est assez sensible et. Donc dans ton équipe il y a alors là c'est complètement blasphématoire, donc il y a Cell en puissance max. Donc qui a été tué par Goku et qui est ressuscité. T'as Trunks du futur et t'as Vegeta qui affronte le commandant Ginyu. Gros, c'est un morceau qui n'existe absolument pas dans le manga. Ah oui, c'est des quêtes pareilles. Ils ont vraiment reconstitué, on va dire, les scènes de théâtre avec différents persos. C'est un jeu que tu qualifierais difficile quand même. Disons difficile non, mais on va dire qu'il y a vraiment un aspect grinding qui fait que sur certains personnages, tu peux même pas les atteindre en fait si t'es pas suffisamment puissant. Enfin, tu les atteins. D'accord. Des fois, tu leur fais des chatouilles, quoi. Vraiment, c'est assez. Ouais, ça peut être frustrant, quoi. Mais il y a beaucoup plus de patates que dans. Ouais, ça en voit déjà.
Alors attends, j'ai crash du météore, donc tu vois quand tu appuies sur R2 tu fais apparaître les techniques de façon assez classique. Donc tu vois, tu peux commencer un enchaînement. Calum Garrick, c'est pas quand il met sa main comme ça. Si, bah on l'a fait tout à l'heure. D'accord, oh, c'est bouge. Donc voilà, tu peux placer tes enchaînements. Image rémanente, donc voilà, t'as le côté téléportation. Là, avec deux jauges de... Tu vois les jauges vertes? Ouais. Quand tu te fais frapper, évidemment, tu peux te téléporter dans le dos. C'est des mécaniques qui sont un petit peu courantes dans le jeu. Le transformer super guerrier à... Eh bien pas... À l'envie ou c'est... Non, c'est quelque chose de limité. D'accord. C'est lié au perso ou c'est genre il y a une version de Vegeta super guerrier dès le départ ou c'est... Non, c'est... transformer en combat. C'est lié au perso et au set qu'il a. D'accord. T'as aussi des shops qui sont quasiment... extrêmement difficiles à placer, qui sont relativement un peu plus puissantes que d'autres attaques, mais qui... Alors parle-moi un peu des problèmes de caméra que tu évoquais comme étant un souci du combat. Alors peut-être qu'on le verra pas forcément là dans ce combat-là, mais on va lancer ensuite une autre quête de récupération Dragon Ball, et là tu vas voir, ça peut être assez tendu des fois. Ça peut être galère. Et on salue donc le chat qui nous rejoint, qui se remplit petit à petit. S'il a des questions, qu'il n'hésite pas, je vais essayer d'en lire quelques-unes. Le jeu est dispo quand cette semaine, j'imagine? Vendredi. Voilà, enfin, officiellement, mais tu le trouves partout. Le Zone de République, notamment. Donc là, tu vois, par exemple, l'élément du décor masqué complètement l'action, c'était assez génial. Ouais. Donc je vois que le timer est plutôt permissif. Tu peux en buter 2 sur 3, là, déjà. Oui, oui, ben, après, là, c'est une mission de 3 étoiles. Les persos que j'ai débloqués font que c'est relativement plus simple. J'ai l'impression de reconnaître des voix japonaises, c'est le cas? Oui, tu peux mettre le doublage japonais, heureusement. C'est les vraies voix, enfin, si on la joue à part les Boy, doubleurs, à part les doubleurs qui sont décédés, oui. Ouais, d'accord. Il me semble que celui de Vegeta est mort. D'accord. Alors... Creek of War demande si on est fan de... Oh, j'ai pas vu sa question. Si on est fan de Dragon Ball, est-ce que ça peut le faire? Oui, c'est vraiment un jeu de fanservice qui est relativement bien fait pour les fans. Quoi. C'est pour ça que même s'il a des défauts, on peut quand même trouver. N'hésitez pas à mettre votre. À mentionner GameCult Live dans votre question pour qu'on voit votre question apparaître en rouge. Ça se vend toujours les jeux Dragon Ball? Ça dépend. Beaucoup moins que ça ne l'a été à la grande époque de Budokai, quelle que soit la région d'ailleurs. C'est vrai que la trilogie Budokai a vraiment très très bien marché. Parce que voilà, c'était le grand retour avec des jeux 3D qui se tenaient quoi. D'ailleurs, parlons un peu de la version 3DS, là, on a vu les premières images là, cette semaine, c'est plus académique, plus orthodoxe que ça, ou ça vient vers quel... Bah c'est Arc System Works qui s'en charge, et a priori, on s'oriente vers quelque chose de 2D, le problème c'est que pour l'instant on l'a pas vu en mouvement, on a juste vu des screens, donc... D'accord. Mais surtout, il y a des sprites qui ont l'air plutôt pas mal. Ils avaient fait des bons jeux avec les Super Sonic Warriors. Donc, Alors, est-ce qu'il manque des personnages importants dans le roster de monde Kanozu? Je sais pas, par exemple, du côté des cyborgs, tu les as pas tous, quoi. T'as pas C16, t'as pas C20. Bon, c'est pas forcément des personnages. T'as des personnages des OAV aussi ou pas? Enfin, t'as Broly, évidemment. Ouais, évidemment. T'as Broly, je pense qu'il y aura une pétition. C'est impensable. Il y aura un Kickstarter. C'est impensable de l'oublier, mais oui, t'as pas non plus. T'as pas des persos comme Thalès, t'as pas des persos comme ça, quoi. Des qui? Les mercenaires d'espace. Les mercenaires d'espace, on les voit. Les pirates de l'espace, là, ouais, Bojack et. Non, ils y sont pas, par exemple. Alors, j'ai raté quelques questions. Je suis désolé, je sais pas si les experts peuvent tout purement remonter le chat. Est-ce qu'il y a du split screen, ça, non, voilà. Les combats en versus local se font. Ne se font pas en split screen. Il y a Dr. Fett qui dit que les combats semblent assez bourrins sur le stream, est-ce qu'il y a un côté technique ou un côté bourrin? Je pense qu'il y a plus un côté tactique à l'aide de ces Warriors. Ouais. Non mais c'est vrai que quand tu joues à trois joueurs humains, tu peux essayer d'enchaîner les vagues, chacun son tour, pour mettre vraiment le joueur adverse dans une spirale où il ne peut pas se dégager. Et du coup, il y a un petit côté, voilà, bien coordonner ses attaques pour vraiment vider la barre de vie. Alors, j'ai fait une remarque au nom du chat, il y a pas mal de critiques sur la partie graphique. Déjà, un, ton avis, et deux, un truc qu'on voit pas forcément sur le stream, est-ce que c'est fluide? C'est fluide, heureusement. Ouais. Heureusement, parce que c'est quand même très dépouillé graphiquement. J'aime le fait que les... Le précédent, c'est la version PlayStation 4 qu'on a dans les mains. J'apprécie le fait que les combattants, il y a un petit aspect dégâts sur les combattants. Ouais. Vraiment, les armures se désagrègent quand ils
quand la vie finit par manquer. Les décors, par exemple, non. C'est juste les décors, il y a très peu d'éléments destructibles. Quand tu envoies des boules de feu, enfin des boules, des kamehameha au sol, t'as un petit impact qui se produit, mais il est aussitôt balayé. D'accord. Non, c'est quand même très très léger, et le hub est vraiment absolument immonde, quoi. Voilà, on a répondu à la question sur les décors destructibles. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein, c'est vrai que ça défile assez vite, donc on risque d'en rater quelques-unes. Il y avait aussi une question, est-ce qu'il y a un personnage qui est qui est beaucoup plus fort que les autres, ou ils veulent tous ? Difficile à dire, je les ai pas tous débloqués. Il y a pas encore tier list pour l'instant. Ouais. Non, je les ai pas tous débloqués, enfin ce serait mentir. Est-ce qu'il y a des mises à jour pour apporter plus de contenu au jeu ? Est-ce qu'il y aura des DLC ? Il y a deux personnages en DLC, si j'ai bien suivi. Et puis je pense que Bandai Namco ne va pas se priver d'en fournir. Ouais, effectivement. Je vais te montrer des phases où la caméra est mise en danger. Voilà, les boules de cristal, ok. C'est-à-dire que là, c'est une phase de collecte de boules de cristal, et tu vas voir, des fois, ça part un petit peu en vrille. Alors, une question aussi sur le rythme du jeu, qui est entrecoupé donc d'aller-retour dans la ville, là, pour EP son personnage. C'est pas chiant, au bout d'un moment ? Si. Mmh. Si, il faut... Tu peux pas se téléporter, c'est ça, tu disais ? Ouais, tu peux pas te téléporter, et surtout quand t'as fini une mission, il te ramène... Enfin moi il me ramenait directement au hub et c'était pénible. Mais après tu peux grouper avec d'autres joueurs, donc former une équipe et te retrouver plus facilement pour repartir en ligne. D'accord. Je continue les questions. A priori il y a 3 DLC. 3, d'accord. Ouais, à quoi un vrai jeu DBZ ? Les bâtiments destructibles, on l'a dit, hein, c'est très 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 léger. Les personnages prennent un petit peu de dégâts visuellement. Ah oui, il y a Trunks qui te parle dans le... Il marche à 200 cm. Dans le micro de la PS4. Et alors, c'est plus ou c'est moins ça? C'est moins. Donc là, ouais, tu actives le radar. Donc tu vois, la boule de cristal est là. D'accord. C'est ça, Junior qui la transporte. Du coup, le fait d'avoir mis la caméra si près du perso, même si je pense qu'on va vite voir pourquoi c'est chiant, ça donne aussi une certaine sensation de puissance, de vitesse, je trouve. Enfin, tu vois, t'as vraiment l'impression de suivre Sangwan. Même s'il y a des moments où vraiment c'est difficile à suivre. Après, c'est assez fluide quand même. Ouais, heureusement. Ouais. Est-ce qu'il y a des phases en intérieur et du coup est-ce que la caméra ne pose pas de problème pour ces... Il y a des phases en intérieur, effectivement, dans le vaisseau Freezer notamment. C'est un vrai... c'est comme la phase là où je dois récupérer la Dragon Ball, tu vois, elle est là. Ouais. Difficile à retrouver, tu vois. Ensuite, je me rends sur la machine du temps, et des fois, là, quand ils viennent tous s'encercler, c'était pas le cas là, mais des fois, c'est vraiment hyper galère. D'accord. Donc là, c'est les gros Dragon Ball de Namek. On fera ensuite un combat contre le gros gorille. Ah oui, d'accord, ça, c'est cool ça. Pour info, votre test n'est pas en ligne, on a un lien qui n'est pas au test, ça s'appelle Game Cult. Est-ce que quelqu'un peut flusher dans la réaction ? On va demander à un collègue de le remettre en ligne, ça c'est un petit souci, une petite surprise de Game Cult, des choses que vous ne voyez pas. Si vous saviez, vous arrêtez de nous plaindre sur le forum. Alors tiens, une question personnelle, Puyo, de Ido Niro. Quel est ton meilleur jeu Dragon Ball Z ? C'est quoi ta référence ? Franchement, moi c'est l'époque Super Nintendo, parce que c'est vraiment ceux que j'ai exploité. Après j'ai vite lâché, ça n'a jamais super captivé, hein, faut être bien honnête. Mais là tu vois, je me suis transformé en Super Saiyan 2, donc je suis un peu plus rapide, un peu plus en... Effectivement, le nouveau site putain, dit le chat. le chat a raison. J'avais une question, je crois que je l'avais déjà posée, mais je vais la reposer quand même histoire que tout le monde ait la réponse. Il demandait justement, est-ce que c'est un jeu qui est un peu exigeant, c'est-à-dire sinon du timing, de la technique, de l'apprentissage ou... Franchement, je l'ai pas vu, j'ai pas vu la dimension technique, je pense qu'il y en a une, hein. Je pense qu'il y a vraiment des mecs qui vont faire des combos et tout. Ça t'empêche pas de gagner pour l'instant, quoi. Oui, après... Est-ce que c'est possible une mise à jour de test comme par exemple Break Club à Assassin's Creed Unity ? Bah, possible, oui, mais ça prend du temps. On a posté le lien du test sur le chat d'ailleurs, si ça vous intéresse de lire un petit peu, voir l'avis de Puyo documenté. Mais je trouve qu'ils ont quand même cette fois vraiment bien réussi à gérer tout ce qui est profondeur et phase d'envol et ce genre de choses. Mmh. Quelque chose que dans Battle of Z vraiment c'était raté. Et même dans les autres, ça me transcendait pas. Là, tu vois, tu peux quand même explorer. Ouais. T'as l'impression que t'y crois un peu, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. C'est déjà visuellement, je suis un petit peu rassuré par rapport à ce que vous voyez sur le hub. Les phases de courant comme bien la pêche.
C'est vrai que les trailers faisaient envie, parce qu'il y avait quand même un certain boulot sur le sur la communication du jeu, les trailers étaient plutôt alléchants. Alors, même les screenshots sont carrément bullshotés. Hein, faut le dire. Parlons-en. Alors, niveau histoire, en tant que fan, est-ce que les modifications passent bien? Non, enfin non. Fin, ouais, c'est un gros bac à sable, quoi. C'est du fan service complet, quoi. Fin. Est-ce qu'ils ont des attaques ultimes bien pétées, genre Kamehameha, Perfis pour Sangohan? T'as vu des trucs comme ça, les Meteor Smash Non, il n'y a pas d'attaque combinée. Ouais. Alors, bah, je continue à regarder les questions. Gamecube Live est-il un scénario? Bah, le scénario, on l'a dit, donc c'est l'histoire de Dragon Ball Z revisité. Ouais, des mecs qui manipulent le temps. Voilà. Non, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la difficulté est parfois assez mal dosée, c'est-à-dire que tu pars... heureusement, il y a des items pour te régénérer et tout, mais des fois, tu pars pour un combat qui s'annonce relativement gagné d'avance. Par exemple, t'as un combat, là, avec Goku SSJ3, où tu affrontes 3 Majin Buu. Donc, tu les... Déjà, pour les buter, c'est pas évident, parce qu'il faut vraiment être à bon niveau et bien jouer. Enfin, bien jouer. Ouais, faut faire attention. Faut faire attention. Et une fois que tu les as butés, t'en as 6 qui pop. Donc, au-delà des problèmes de caméra, là, c'est... C'est vraiment assez ennuyeux. Alors, et c'est passé quoi avec l'âme Z là, j'ai vu, il y a eu... Oui, elle s'est déclenchée, je crois. Pour moi, hein, ça. Ouais. Ouais, bah, et j'ai déjà servi de mon item de soin, parce que j'en ai programmé qu'un. Et tu vois, il y a le syndrome des murs invisibles, c'est que là, je ne peux pas récupérer Dragon Ball. Parce qu'ils sont mal signalés, donc... Ouais. C'est vrai que des fois, la caméra, elle part un peu en vrille. Ouais. Les strikers sont utiles ou pas? Enfin, tu peux vraiment reposer sur eux et genre te planter? Non, l'IA est consternant, c'est pour ça certains sites d'ailleurs vraiment à grouper avec d'autres joueurs. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que quand tu joues à 3, c'est... Ah, t'es mort. Ouais. Quand tu joues à 3, c'est assez cool, hein. Franchement. Mmh. À 3 joueurs, je pense, avec 3 potes qui kiffent la série, enfin, il y a vraiment moyen de s'amuser. Toi, t'as des mécaniques de régénération à la con, comme ça. D'accord. Dans des trucs. Mais c'est vrai que tout seul, enfin là, l'IA fait son boulot, heureusement, mais il y a vraiment des moments où tu te sens... complètement délaissés, ils attaquent pas, ils enchaînent pas. Ouais. Bon là, heureusement, ils sont un petit peu plus dégourdis. Et l'IA ennemi, en fait, a des réactions logiques. Est-ce qu'il va attaquer le personnage le plus faible? Se préoccuper d'un... Il s'en fout, en fait. Il attaque le plus proche. Et... Je peux pas vraiment dire que j'ai noté ça, quoi. C'est vraiment... Est-ce qu'on peut enlever les ronds jaunes du lock pour les références plus réalistes? Alors là... C'est pas conseillé, cela dit. Parce que regardez, hein, mais... Alors, est-ce que c'est uniquement téléchargement ou sorti en boîte? Je crois que c'est en boîte. Quels sont les sujets de l'émission de ce samedi? Ah. Si on savait le même. Je n'osais pas le dire. C'est en discussion. C'est en discussion. Il pourrait y avoir un certain survival horror épisodique. Last of Us 2? Last of Us 2, effectivement, vous l'avez voir. Quelle race est la plus forte? Aucune idée. Voilà. Les 100 races. Voilà. Pour ça, il faut aller en endgame, il y a 50 quêtes de base. Ouais, toutes les races se valent. Voilà, voilà exactement. Là. Donc voilà, tu vois, là, il y a un trou béant qui est apparu. Voilà. C'est bien dégueulasse, hein, tu peux le voir. Et je récupère la Dragon Ball. Qui flotte en JPEG. Voilà, non, mais c'est rien. Oh tu vois, ah oui. Ça. D'accord. Voilà, donc, de côté transition next-gen. Ouais, c'est assez léger, quand même. Hashtag le Japon, quoi. Alors, je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions, évidemment. On va changer de mission, peut-être. Ouais, ouais. On va vous montrer quelque chose un peu plus dans T-Fight. Mais du coup, c'était un boss. Il y a d'autres choses à montrer, là, sur le jeu, par rapport à tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a à voir dans le jeu. Non, l'essentiel est couvert. C'est un gros boss, quoi, non? Ouais, ou une mission histoire avec Goku SSJ3, je sais pas. Ouais, ouais, tiens. Je vais me faire défoncer, mais... Allons-y. Je vais m'acheter des items. Tu peux pas voler, j'imagine, c'est toujours. Et non. Tout se fait à pied, quoi. Ouais. Alors peut-être plus tard, hein, mais j'ai vu personne voler dans les hubs. Il y a un vrai boulot graphiquement sur la version MMO ou c'est la même chose? Par rapport à la version MMO? Ouais. Non, c'était dégueulasse la version MMO. Je me rappelle, mais elle est vieille, quoi, elle a quoi, quelques années. Oui, c'est vrai. Ouais. La race de boue, je ne comprends pas. C'est une créature créée, donc elle n'a pas de race. Ah, ça y est, les ayatollahs de l'exactitude. Une race créée, on sait rien, ils viennent pas du fin fond de l'espace, c'est pas ça l'histoire. C'est un sorcier. Non, mais je crois que c'était Babidi qui est une race en fait, et pas Boo est une créature. C'est comme Janemba. Alors on nous demande par rapport à la version PS3, on l'a pas reçue, je peux pas vous dire si c'est immonde ou pas, mais je m'en méfierais quand même. Mm.
Notamment côté fluidité peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect social tel que des événements publics ou des tournois? Il y a des tournois qui vont être prévus, effectivement. Tu as aussi de l'XP passive quand tu te reconnectes, tu as de l'XP. Tu peux échanger, offrir des cadeaux à tes potes. Voilà. ce genre de petits... Ce genre de choses complètement folles. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, je te laisse faire tes emplettes avant d'attaquer la mission finale. Je rappelle donc qu'il s'agit de Dragon Ball Xenoverse XV, disponible d'ici quelques heures, si ce n'est déjà le cas, sur à peu près tous les supports, sauf la Wii U et les consoles portables. Donc, c'est Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4 et PC. Et même PC. Donc tout le monde est servi. Un jeu qui a été testé, donc allez lire le test. Le test est finalement plutôt élogieux avec un petit élogieux, jeu. Non, mais 6 sur 10. J'en dis les jeux qui aimeraient avoir 6 sur 10. Non, cool. Mais disons que si le jeu fait preuve d'ambition. Voilà. Et par rapport aux anciens DBZ, il y a quand même la volonté de proposer quelque chose de différent. Donc, quelques éloges. Et je le répète, un 3, c'est plutôt... élogieux. Même 2 ou 3, c'est plutôt cool. D'accord. Là, c'est vrai qu'on voit juste on n'a pas pu se connecter au serveur. Ouais, il y a un petit souci de connexion, ça. Mais... En gros, tu le conseilles vraiment, on va dire, aux gros fans et à ceux qui achètent en connaissance de cause, c'est-à-dire avec des bons potes. Voilà. Pour vraiment se faire expérience. L'expérience ultime. Donc voilà, c'est un jeu... dispo. Est-ce qu'on peut dire d'autres dessus? Tiens, voilà. Petite mission. Donc là c'est le mode histoire, on est dans le côté principal. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble l'introduction des missions alternatives. Enfin des missions alternatives, des scénarios alternatives. Donc quoi, c'est une phase dessin animé? Ça c'est quoi? C'est le cours normal des événements, ça? Ah non. Ah ça c'est déjà une séquence qui était pas dessin animé, ça. Ouais. Okay. Donc ça c'est la fameuse mission où je pensais avoir vaincu les trois bouts, déjà c'était plutôt cool par rapport à mon niveau, et il y en a 6 qui ont popé et là j'ai pas pu. Et là, donc là tu risques de mourir. Ah oui. Donc tu joues pas Goku, t'es de Goku en fait. Ouais exactement, tu aides généralement le personnage qui est censé vivre le scénario. Par exemple j'ai aidé Gohan face à une sorte de Marty McFly qui arrive dans une époque pour... D'accord. Est-ce qu'il y a des voix françaises? Parce que par exemple, on n'aime pas du tout les voix japonaises. Non. C'est voix US. Voix US ou voix Jacques. Et il y a Trunks qui parle. On dirait qu'on sent dans les chiottes avec l'écho du haut-parleur. Peut-on jouer à deux sur la console et sur internet en même temps, comme Mario Kart 8? Non, je crois pas. Enfin, je veux pas dire bêtises, mais en vrai. Est-ce qu'il y a des voix françaises? Ça, j'ai répondu. Tu vois, la Goku par exemple, au lieu de. Il y a les personnages de Battle of Z dedans ou pas? Battle of God, tu veux dire? Battle of God, oui. Oui. Il y a. Ouais. Tu l'as vu dans Battle of God? Non. Je sais pas que c'est moisi. Mais je... Ouais, mais. J'ose pas trop regarder tout ce qui est moderne autour Dragon Ball. Exactement. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui. L'essence d'une petite boîte. Et... C'est vraiment la cash machine et. Je vais faire le vieux con. Après 96, c'était plus pareil. Chez moi, le stream lag grave. Alors, je peux confirmer juste un truc, c'est que pour l'instant, c'est très fluide. Ouais. C'est quand même à mettre le crédit du jeu, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'effets à l'écran. C'est plutôt cool. Donc là, t'en as tué combien, là, David? Là, j'en suis toujours. Il y en a toujours 3. Et comme Sangoku s'amuse à... Je crois qu'il y en avait 6. Là, tu en as tué 3, il t'en sert 3 après, ça? Il en sert 6 après. Ah ouais, d'accord. Donc, pour un 9 à buter, là. Ouais. D'accord. Non, putain, ouais. Alors, quand tu as l'intégration du personnage, l'incrustation du personnage, ça veut dire qu'il va te balancer une super attaque. Elles sont pas évidentes à esquiver. C'est même assez chiant au début. Tu les prends toutes. Bon, après, tu commences. T'es obligé de te battre au corps à corps parce que je vois que t'envoies quasiment pas de boules de feu en fait. En fait, comme j'ai dans les attributs de mon personnage, je me suis spécialisé sur les attaques corps à corps. D'accord. Alors, c'était peut-être une erreur, mais en tout cas, mes super kiko, comme on dit dans le jeu, sont pas suffisamment puissants. Ah, t'as comment récupéré de la vie? T'avais comment? Mais là, t'avais un bonus? Oui, j'avais pris. Bah, tu sais, je suis allé acheter des capsules. Une petite popo. D'accord. Et tu vois, là c'est l'exemple type où j'ai pas changé de cible, il m'a changé automatiquement. D'accord. Donc, tu vois, ça peut être vraiment, vraiment gênant. En fait, ce genre de combat là. Faut faire avec des potes. Ouais.
Voilà ce que l'IA fait. Bah, encore Goku 3 envoie régulièrement ses Kamehameha et là tu vois, je peux les continuer l'enchaînement. Ouais, donc là t'en as quasiment tué un. Hein. Ouais. Bon, après, je cache pas que c'est répétitif. Hein. Ouais, oui, ouais, ça voit déjà. Est-ce que ça reste un jeu fun dans l'ensemble de mon oui. 488 oui. Oui, parce qu'il est dynamique. Surtout avec vos potes, voilà. Ça évitera de se vénère contre l'IA, qui est pas irréprochable, on l'aura compris. Après ces missions-là, les missions histoire, tu ne peux pas les faire avec tes potes. Hein. D'accord, oui, d'accord. Donc, on est, oui. Les missions oui, sont faites pour sanctionner la progression du joueur, parce que ce sont elles qui vont débloquer les persos, les maîtres d'arène, ce genre de... Là, par exemple, t'es dans les cieux, tu vois pas les soleils sur Terre. C'est un peu non, un non, non. Ouais, y a, c'est quand même une arène plus ou moins ferme. Je regarde un petit peu, du coup, s'il y a d'autres questions. C'était du Friendly Fire, oui, c'est pas sûr que... Non, là, c'est ça, vraiment. On va éviter quand même. Coop local, non, il y a aussi du coop en ligne, comme je l'ai dit, il me semble. Ouais. Sauf donc dans ces modes histoire. Donc j'attends encore sur un bout. Il te reste quoi, un, ça, sur la un, mais ensuite. Après, il y a eu son serpent. Ouais, okay. Six autres. Là, comme j'ai pris mes capsules, peut-être que. Avec le Genkidama du et chat, si. Le fameux. Et oui. Oui. Est-ce que le chat pourrait nous faire un Genkidama le parce fait. Que là, on a vraiment besoin d'énergie. Que pour le coup, autant il en chie sur. Mais il passera peut-être 3 bouts, mais autant 6 d'un coup. Après, j'ai pas l'impression après, que. Ils sont moins forts, hein, les sauts d'après. Ah oui, mais j'ai pas l'impression plus qu'ils t'attaquent en même temps. C'est moi qui me trompe ou. Oui, heureusement. J'ai l'impression mais que tu les mimes un par un en fait. Donc, ouais. C'est juste une sorte de time attack plutôt que. Alors, attention. Bon. Ouais, mais après, parce qu'il y a le skill qui entre en jeu. Donc, là, il y aura une cutscene après, du coup, pour introduire les 6 ouais. bouts. Ou... D'accord. Il me semble que oui. Mais elle est rapide. Alors, c'est Genkidama à commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, continuez là. Ah, non, même pas de cutscene, tu vois, ils arrivent direct. Ah ouais, d'accord. Ah, ils sont petits, d'accord. Ouais, ils sont petits, ouais. Parce que tu débloques aussi une variante petite de... Alors, j'ai pas vu, mais en gros, ils sont coupés en deux, les bouts, c'est ça enfin, c'est... Ils ont pas de blocs. Bou le poursuit, empêche Bou de le suivre. Alors, peut-on parler de la VF, de la traduction? J'ai l'impression ah, qu'elle est... Ah, scandaleux. J'ai l'impression qu'il y a un point femme indienne qui est... Alors, bon bah merci pour votre Genkidama, est-ce que Puyo va y arriver? Je sais pas. Je fais un barrage de Kienzai, à voir. C'est pas non plus super non efficace. Mais du coup ça peut toucher les autres ça. D'accord. C'est là dessus que je mise. On voit plus Goku par contre, il est où? Il est là. Parti si je m'abuse. Là je vois plus. Hein. Voilà. Je vois que là t'es tout seul contre cible. Exactement. Donc, quand je te dis que la caméra j'avais elle... un peu le seul. Ouais. La caméra elle fait un petit peu ce qu'elle veut là. Pour l'instant, le Genkidama continue. C'est bien. Donc là, il en reste quoi 5, c'est ça? Ouais. Ok, alors 5. Je leur envoie des barrages de Kinzan, là, je sais pas. C'est le truc de Krillin, ça, non? Ouais. Mais ça, c'est coupé en deux, n'importe quoi. Ça m'a l'air assez confus. Bah, c'est que là, ah c'est oui, un cas extrême. Il y a beaucoup de fights comme ça où t'as 6 adversaires. C'est relativement rare, quand même. Ouais. Mais quand ça survient, t'es. Comme j'ai pas boosté les super Kikoa, du coup ils font moins de dégâts que. Ouais. Un jeu que tu fais pas mal de dégâts quand tu te mets au corps à corps. Ah, c'est pour après, ça tu prends tous les risques, mais. Exactement. Alors, je suis un homme à risque. Tu vis dangereusement, donc là on est peut-être à un autre bout mort. Oula, c'est pas mal ça. Ouais. Tu as quasiment fini, si t'arrives à 8 plus 5, un enchaînement au corps à corps, c'est fini. Voilà, next, il reste quoi 4. Tu vois, mais. Ouais, 4 qui volent autour de toi. Et toujours avec la barre de Liplay en plus. Hein. Ouais. Le Kenzan est inutile contre vous. Et oui, parce que vous pouvez se recoller oui, sur chewing-gum. Le voile gris sur le jeu, est-ce normal? Voile gris? Il y a un voile gris. C'est pas du order. Hein. Ouais. Ça, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a un voile gris? Bah, c'est peut-être chez toi, vérifie. Donc, on voit que Loulout a des dégâts maintenant sur sa petite cacape. Exactement. Et il y a une jambe qui passe à travers aussi, un petit problème de. Quoi, que le Z peut faire. Voilà. Alors, les arènes sont-elles assez grandes et où peut-on passer de l'une à l'autre pendant le combat? Façon hyperdimension. Je sais, on peut rêver lol. Voilà. Pendant que James a stalké ton compte PlayStation Network, Puyo. À quand le fight avec le Figaro? Une seule défaite suffit. Donc voilà. On reste vraiment pour voir la performance de Puyo. Exactement. Hein. Donc là, ils sont plus que 3. Là, je vais prendre une petite capsule. Non, mais là, je vais y arriver parce que je me suis suffisamment bien. Tu as bien. Ah merde, putain, j'ai utilisé mon autre capsule. Ah, je me suis mis handicap. Bah, cela dit, tu étais. Oui, mais non. Ah, pourquoi? C'est handicap quoi? Ah non, mais j'avais deux moyens de me régénérer et.
Ah, ils sont 4 encore. J'en vois 3 moi, j'en ai compté 3. Alors sache que pour le PvE pur, un build basé sur le ki est le meilleur. D'accord. Une première solution. Pas a stranger, non, j'arrive pas à lire, je suis désolé. Ouais, il a l'air assez calé assez sur calé, le jeu. Assez calé, voilà. Et qu'est-ce qu'il en pense, justement? Tiens, quel est l'avis de cet internaute qui n'oublie pas d'ailleurs de mettre arrobas GameCutLive pour qu'on puisse être mentionné. Quel amateurisme ce GK Live, on dirait vraiment qu'il est en préparé, qu'ils sont mis les mains dans les poches. Puis cette motivation à présenter ça. Tiens, Pouille, regarde, t'es pas motivé. C'est où? Antitex Z. D'accord. Qui dit ça, t'es pas motivé à parler du 75e Dragon Ball Z ouais, en 3 ans. Sauf que celui-ci est pas mauvais, en plus on l'a dit. Hein. Bon après voilà, ça fait un calor qui se bat contre des bouts qui sont un peu passés à la photocopieuse, donc on s'excusera pour la motivation, mais bon c'est pas ce qui est le plus sexy. Il en reste 2. Voilà, non, donc j'en vois 3 perso. Voilà, après les petits bouts et les gros bouts, bon, ta motivation forcément elle a pris un coup dans la gueule. Est-ce que le chat est motivé? Tiens voilà, on va demander au chat, est-ce qu'il est aussi motivé que nous? Parce que voilà... c'est pas... Après c'est vrai que ça fait un petit peu un même offline, enfin, il a l'air un petit peu... Oui. Un petit peu tout sec, mais c'est vrai que les combats on voit un peu plus quand même, donc, je pense qu'avec des potes... Ouais, avec ça des peut potes, être un bon divertissement, mais il faut être fan de Dragon Ball quoi. Ouais, une petite séquence comme ça, bon c'est classique hein, mais elles ont la pêche. Quid du sound design? On l'a pas fait celui-là. Ah, quid du sound design, mais tu as tous les bruitages caractéristiques de la série. Je crois que c'est bon. Voilà. Bon, il en reste un, même ça. Tu m'entends. Attends deux jours, c'est quand même bien. Deux jours de fight. Ouais, Son Goku est parti au championnat. D'accord. Ça existe pas. Alors apparemment le chat n'est pas plus motivé que nous. Ouais mais c'est bientôt fini, on va... Allez courage. Il reste combien de boules là? On voit beaucoup trop là. Je crois que c'est le dernier que je dois tuer. Les autres sont autour mais ils sont pas... J'espère. Bah déjà ouais, ils ont mis une petite... Déjà il y a truc qui s'est intervenu. Ouais, voilà. Voilà. Putain GG. Et ben... Donc je vais gagner de l'XP. T'as gagné de l'XP, Bou n'est pas mort parce qu'en fait il reviendra en deux jours contre un assassin beaucoup plus fort que lui. Oh, voilà, du coup je passe. J'ai eu 6100 points d'XP, il m'en fallait 3000 pour passer au niveau 33. Bon, et écoute, très bien, bah bravo Pouillot, le chat on vous laisse un petit peu. On a râle qui est pas. Bah non, mais bon, ça fait un quart d'heure qu'on est en train de limer Bou. Quoi. Bon, on va regarder la cutscene. Donc, bon, on résume, hein, c'est un jeu de fan, comme tous les jeux d'adaptation de manga. Pas si mauvais que ça si on le met dans les bonnes conditions, c'est-à-dire en multijoueur avec des potes. Exactement. Voilà, et la partie MMO et mouif. Non, elle est fonctionnelle quoi, mais c'est des MMO comme tu... Enfin, c'est ouais. Même pas MMO, c'est partie en ligne comme t'en avais d'accord. Il y a 10 ans quoi, mais ça, ouais. Ça fait le job. Ça fait le job, donc voilà. Donc un Meuporg offline disponible cette semaine sur PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et PC. Pas forcément inoubliable, mais au moins... Ils prennent un petit risque avec la licence. Oui. Et ça, il faut quand même le saluer, parce que c'est souvent, souvent le reproche qu'on va balancer à la gueule de ce genre de jeu, c'est toujours faire un peu la même chose et de tondre les fans. Oula oui. J'ai vu des pixels. Kaioshinari. J'ai vu des gros pixels dans la pelouse. Donc, ouais, c'est avec cette cutscene. Voilà. Riche en émotions, The Order, Run chez Watt. Y'a pas de QTE là, c'est facile. Non. Voilà, on vous embrasse le chat et on vous souhaite une excellente soirée. D'ailleurs, ça sort pas sur Vita ce jour ? Non, voilà. Restera sur Battle of Z. Zut, voilà. Donc bonne soirée le chat et puis on se donne rendez-vous pour d'autres GK Live et d'autres jeux. On espère un peu plus punchy et varié. Varié. Voilà. Ouais. Allez, bonne soirée, salut à tous. Ah, y a le hibou.